Hey yo tout le monde, c'est OSFDC, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve tout pour la suite directe de la vidéo d'hier. Bon, déjà on va ramener une statue pour perfectionner notre entraînement. Bon, il y a le blabla habituel hein, du Sifu pour nous demander de choisir l'attaque que je souhaite apprendre. Le tacle ou le... Ouais, le tacle c'est bien. Le tacle c'est marrant. Ah, Jimmy! Alors, faut déjà que la manette arrive à comprendre si je respecte les trucs. Et là, pour l'instant, il a compris seulement que je voulais éclater la gueule de l'autre. Donc ça me plaît pas. On veut toujours pas taper, c'est fou! Pourquoi on peut pas taper, c'est fou! Voilà, là il a voulu le retourner par terre alors que c'est pas du tout ça. Allez, c'est fou, laisse-toi attraper, bordel. On est là pour jouer ensemble. On s'entraîne ensemble. Pourquoi seuls tes disciples doivent subir? Allez. Allez. Je sens que ça risque de durer un moment. Là, ça veut pas. Hein. Donc j'attrape. Comme ça. Pourquoi j'y arrive pas? On s'est arrêté long. Je te le parle. C'est bon, je m'en mise bien, j'ai pas tué encore. Non, on a l'entraînement. Oh. C'est faux, pas marrant. Bagarre très important, c'est faux. J'adore à tous les goumets. Oh, petite victoire. Hein. Victoire classique, victoire de Wei. Wei Shen, tu dois gagner. Wei Shen, tu dois tout faire qu'est-ce que moi j'ai dit. Bon, même si j'ai fait pour l'instant qu'un simple entraînement. Maintenant, faut pas oublier qu'hier, on a fait les combats clandestins. Là. C'était bien ça. Qu'on va le rue Lego là, c'est trop bien. Allez, vas-y, aucun problème. Tu vois les camions de poulet pour aller choper un mec, s'il te plaît. Tu es en mission d'observation, ouais. Tu prends un camion, tu vas choper. Je m'excuse d'avance à tous les Chinois qui se sentent insultés dans mon imitation. Le problème, c'est que je vois les clichés de tous les comics depuis une bonne trentaine d'années. Quoi.
des gens qui ont écouté et qu'on en fait une espèce de caricature. On file du genre. Et comme j'ai pas de vraie imitation, je peux pas sortir mieux. Enfin bref. D'ailleurs, on est là pour rigoler. C'est comme des gens quand ils se moquent des Portugais. Les Portugais, ils savent que dire caray, manger de la morue et travailler dans le bâtiment. Et avoir une femme de ménage. Faut rire de tout. Faut savoir rire de tout. Ça n'empêche, comme véhicule de mission, ils ont pu me donner mieux quand même. Bon, je sais que c'est plus voyant une voiture. Classe comme des méchants, mais bon, quand même. On aurait largement pu avoir mieux. Je dis ça, je dis rien. Moi, ce qui me fait marrer, c'est-à-dire que le mec il monte sur des containers, qui fait un barouf monstre, mais non, ça paraît logique que le méchant ne prenne pas son coup. Bon, c'est la partie ennuyeuse du jeu, quand il faut prendre des photos pour attraper les méchants en plein flagrant délit. Moi, montrer une marchandise, toi, donner argent. Et tout le monde content. Moi, être bon inspecteur. Très, très bon. Meilleur de le marché. Bon, pour l'instant, tout m'a l'air correct. Bon, c'est long quand même. Hein. Les gars, je pensais qu'on s'amuserait un peu plus longtemps. Hein. Ah, je te jure. Salut du gland. Je suis bourré. Bourré non-stop. I can win non-stop time. Oh god, that's disgusting. Le truc le plus cool que j'ai vu, c'est Don Cheadle qui joue les Shintucks dans Rush Hour 2. Ah merde, je pouvais pas l'endormir lui. Le mec il voit un pauvre connard ivre. Il est pas chaud. D'accord. Je peux rentrer ivre, mais je peux pas l'assommer à la James Bond ou autre. Non, d'accord, ça existe pas chez. C'est pas un peu raciste, ça, monsieur, madame. Je devrais avoir le droit de pouvoir assommer le gros bâtard de méchant. Ouais, deuxième essai. Ça me rappelle un des derniers épisodes de Rick et Morty. Tu arrêtes un truc, tu recommences à zéro. Maintenant, un jeu c'est un programme dans la vraie vie. C'est une autre paire de manches.
y a déjà une statue pour la salle d'entraînement. Très important. C'est ça, quand j'aurai acquis toutes les techniques, bah, j'ai. On va prendre assez merdeux qui est le boss. Ah bâtard. Je la sens pas celle-là. Voilà, c'est bien ce que je disais, je savais bien qu'il y avait un truc que je chantais pas dans cette histoire. Putain. Jeff. Il y a eu un homicide. Un homicide. Ça c'est dans Paradise Police. Jeff, j'ai de la chaîne. On m'a parlé d'un homicide. Paradise. Tu veux dire un homicide, Dusty? Ah oui, bah je préfère ça. C'est bon les gars, vous pouvez rentrer. Et d'un seul coup, t'as ce cliché des prêtres de toute religion qui sont contre l'homosexualité. T'sais. On a gagné un homicide. Moi, je vais gagner mes points d'excellent flic, comme toujours. Enfin, normal, de toute manière, je suis le meilleur. Ouais, j'ai le droit de me la péter une fois de temps en temps. Ah, parce qu'en plus je suis recherché par les miens. Je vais me casser le cul à me taper une mission. Et vous, bande de branleurs sur le trottoir là, à glisser des PV de merde. Oui, je vous paierai en M, il n'y a pas de photo. Et là, vous êtes gentils, il y a les grands qui doivent aller voir les grands patrons. Enfin, vous, les pisseux, continuez vos patrouilles de merde et vous arrêtez de me casser les couilles. Non mais... Tu sais, ces mecs là c'est Abou Doussako et moi je suis Sam. Moussa, mec de mon bâtiment. Et ils vont me harceler, ils vont me gâcher ma vie. Ils vont ruiner ma vie, quoi. Ah, ah. Allez. Je repars au charbon, madame. Pour savoir comment je m'appelle, madame. Ça fait de moi. Oh, ouais. Alors, une amélioration police. Alors, comment faire du mal à un suspect avec une attaque supplémentaire? C'est quoi, on va faire comme je faisais à l'époque, hein. On va tout faire dans l'ordre. Technique de défense. The technique de défense. Ah mais j'ai pas assez là. Allez, c'est pas grave. Hey, c'est bien pour l'instant. Eh hey, franchement, hey. Je vais pas dire, hein. Franchement, on est bien là. Allons prier. Mao, est-ce que j'irai... Mao, est-ce que je serai accueilli par les miens le jour du jugement dernier? Les miens m'accueilleront-ils à bras ouverts? M'enterreront-ils 6 pieds sous terre, Mao? Et t'évites l'internement à tout ce que ça comporte, bébé.
Je me laisse un peu emporter. Bon, on va aller voir ce que nous veut Winston. Moi je dis Winston, même si on est en mission cachée, Winston c'est mon gars en fait. Franchement, respect hein, Winston. Je pensais que c'était juste un sale con et au final, bah non, c'est mon gars. Hein. Ah, il comprend à quel point on est complices. Voilà. Je crois que j'ai parlé trop vite, enfin. Qu'est-ce que vous me voulez tous les deux? Oh, les sales bâtards! Trouvez mon micro au moins, au lieu de vous plaindre. Toi, connard, t'as les mots comme. T'enculé. Le flag il est aussi pété que celui dans Power là, le cubain ou mexicain, là, je sais plus comment il s'appelle là. Diego Jiménez dans Power. Il a le même genre de flingue de merde. Enfin, lui c'est un normal mais silencieux, et lui c'est un gros flingue. Il est aussi gros que ses paluches. Ah, ça ternit un flingue comme ça. Oh, il va l'enculer. Ah, il va défoncer Benny. Ah, tiens. Je t'en foutrais de la loyauté. Tiens. Ah oui, ça, je veux bien que tu t'excuses et que tu me fasses ton speech à du gland, mais tu viens de m'agripper comme si t'allais me flinguer, bordel de merde. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour mériter une balle dans la tête? Heureusement que t'as repris tes esprits, hein. Bon, évidemment qu'il a raison sur moi sans le savoir, mais. Allez, c'est reparti pour une nuit blanche. C'est Malcolm Bright dans Prodigal Son. Et encore non. Bright c'est pire que Way à ce niveau-là. Way c'est léger, très léger comparé à Bright. Mais alors largement. Vous voyez quoi vous là? Je vous ai pas assez enculé en fait, je crois que c'est ça. Et je finir par croire qu'elle est amoureuse de moi. Elle va me relancer encore dans une mission foireuse. Ah, je te jure. Ah, tiens, prends-moi ta gueule. Toi aussi, là, boum. Vraiment en colère. Ce que je croyais être mes potes pour menacer avec un gun pour te péter. Et attends, tu veux te battre toi? Ah, toi t'as les couilles toi. Attends, tiens voir ta gueule toi. Bouge pas, regarde. Ah, tiens, va niquer ta mère, va niquer tes morts, va niquer tout ce qui a un rapport avec toi, fils de pute. Ah, tiens. Et hop. Alors, on entend moins ta grande gueule, enfoiré. Ah, je te jure. Bon, on finit tous ces éclatés et puis après on va en profiter pour ramener la statue quand même. On a une jolie statue, donc on va profiter pour faire un petit entraînement après. Je prends acquérir beaucoup les aptitudes et les techniques de la Chine sur le bagarre. Très important. T'inquiète pas, on va y penser. Promis, ma gueule, on va y penser. Bon, on va voler le Vespa. Ça sera plus comme machin à utiliser, hein. Je vous apprends plus rien. En revanche, on va éviter de se faire choper par les keufs. C'est tout à l'heure. Bon, je leur ai échappé, mais bon, ça m'a cassé les couilles de me faire poursuivre, quoi.
T'as plus une mission de police et tu te fais bouffer. Bon, le dojo. C'est faux. À toi de parler. I found one of your statues. A snake. I am Griffin. I promise. Allez, trois restes. I wouldn't train members of the Triads anymore. Not good for one's karma. What makes you think I'm in the Triads? Ah non, je pense qu'on est encore qu'au début quand même. There are things on va en plein. Don't. But never lie. How do we talk about the things I can't reveal? Don't need to. I knew you well once. Don't believe people change that much. Right. Appreciate you. Sont chambres, les statues, n'empêche. What would you like to learn? Ah, qu'est-ce qu'on va apprendre comme nouvelle technique, s'il faut. Allez, comme je vais dire, on va tout faire dans l'or. Oh. Bon, je l'ai raté la troisième fois. Eh, je vais faire l'entraînement plus vite ce coup-là, hein, regarde. Ouais, ça y est, ils viennent tous me péter. Ah, bah ça aurait été plus facile qu'avec l'autre technique, hein. Enfin, je dis ça, je dis rien. Ah, ça c'est un entraînement de malade mental. Ah, je suis trop fier. Bon, allez, c'était un bon moment de rigolade. Néanmoins, les gars, on va s'arrêter là. Et les filles, pardon, parce que j'oublie ces demoiselles de temps en temps. J'espère cependant que la vidéo vous aura fait prendre un bon plaisir, que vous l'aurez kiffé. Si c'est le cas, vous lâchez un gros like ou un gros dislike. Et nous, on se retrouve demain à 20h pour une nouvelle vidéo, sûrement encore sur Sleeping Dogs, mais peut-être les DLC. Vous savez quoi, Dieu seul le sait. Donc, n'oubliez pas, demain, 20h, nouvelle vidéo. Moi, je vous dis bonne soirée, et sur ce, tchouka la famille.